19h14, annonce du nouvel écusson de notre football club de Metz. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'écusson, voilà, bon j'en doute, hein, mais bon voilà, je vous l'affiche à l'écran maintenant. Alors, on a déjà vu les commentaires, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou Facebook. Ça plaît pas à tout le monde, mais bon, ça, il fallait s'y attendre, mais ça plaît pas à tout le monde. Pour ma part, j'ai été surpris, j'avais l'air pantois au moment où je l'ai vu. Honnêtement, quand le logo a été diffusé, j'ai eu cette réaction. Donc c'est pour ça que j'ai voulu allumer la caméra et puis pour vous parler du logo, parce que qui de mieux que moi pour parler du nouvel écusson? Absolument tout le monde, évidemment, alors ça on est d'accord. Mais ça va pas m'empêcher quand même de faire cette vidéo pour vous en parler. Mais comme a dit Carlo Molinari pendant la présentation, sur un écran ça rend pas terrible, on est d'accord ça là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord que sur l'écran ça saute pas aux yeux, enfin c'est pas fou. Le petit, enfin, écrit FCMS avec un petit C, ça m'a dérangé au début, ça me dérange un peu moins. Plus je le regarde, moins ça me dérange et plus je commence à apprécier le logo. Mais c'est vrai que quand on voit la croix de Lorraine comme ça, avec les pics, enfin, la croix en elle-même, je la trouve bizarre. Je m'attendais à un logo un peu moins simpliste, un peu moins simple. Le logo comme ça, sans le Graouli, bah maintenant il n'y a plus que Graillot en tant que Graouli au club, donc ça fait bizarre. Les avis sont partagés, ça je peux comprendre, mais bon, c'est pas un logo moche. C'est sûr que c'est pas au goût de tout le monde. Au fur et à mesure du temps, je pense que les gens vont un peu plus commencer à l'apprécier, ils vont accepter l'écusson, même si, bon, bah, y en a qui vont toujours être campés sur leur position à ne pas aimer. Bon, j'ai déjà vu les réactions, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, même j'ai posé des questions, on m'a répondu vite fait. Mais j'ai hâte de voir ce que vous allez dire dans les commentaires, ça n'hésitez pas, hein. vous pourrez vous lâcher dans les commentaires, ou pas non plus abuser d'insulter le club ou quoi que ce soit, ou ceux qui ont fait le logo. Cependant, ok, l'écusson peut ne pas plaire à tout le monde sur l'écran, bon ça on est tous d'accord. Mais par contre sur un maillot, grâce à la réalisation de Synthetix Design sur Twitter, je vais vous mettre l'arrobase de toute façon dans la description, et de toute façon vous allez le voir aux images que je vais vous montrer, le maillot est... Là, sa réalisation est incroyable, donc évidemment c'est un maillot concept. Regardez. Donc évidemment, hein, comme je vous ai dit, c'est un maillot concept, hein, donc c'est pas les vrais maillots, c'est pas des maillots qui vont sortir, mais c'est des concepts qu'il fait sur son compte Twitter, et tout simplement, oui, elles sont incroyables. Ce maillot là, le maillot qu'il vient de nous faire, c'est un concept. Alors encore une fois, je précise, c'est un concept. Mais j'en achèterai 15, si jamais il sortirait un jour, j'en achèterai 15. En tout cas, pas de panique, ok l'écusson, il plaît pas à tout le monde, ça, je vous l'accorde, mais attendez au moins de voir ce que ça va donner sur les prochains maillots de la saison prochaine. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, hein, pour partager mon ressenti et pour essayer de toucher le plus de gens pour qu'ils voient les choses autrement, qu'ils s'acharnent pas sur le club, qu'ils s'acharnent pas sur ceux qui ont fait le logo, encore une fois. Hein. En tout cas, même si vous n'avez pas aimé l'écusson, j'espère au moins que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à partager, à vous abonner, ça me fera plaisir. C'était Lucas Grenat, les gars. Ciao.